Ja, sehr geehrter Herr Bundesrat, werter Kollege, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Medienkonferenz. Das VBS beschreitet neue Wege. Einige haben bereits davon geschrieben, es sei eine Transparenzoffensive, die wir angehen. Für uns ist es nichts anderes als das, was wir verstehen unter unserer Arbeit, dass wir das sagen wollen und können, was wir eben schlussendlich auch sagen können. Das werden jetzt dann gleich Bundesrat Parmelin tun und, wie gesagt, mein Kollege Dr. Bernhard Knechtenhofer, Chef Projekte Informatik und Controlling des VBS. Es ist nicht gerade eine Weltpremiere, die wir haben, aber immerhin, so etwas hat es noch nie gegeben, diesen Projektbericht, den wir Ihnen vorstellen wollen, über all unsere Projekte, die wir im VBS haben, Ihnen ein bisschen Informationen dazu geben, die Beweggründe und so weiter. Während der nächsten rund 15 Minuten gibt es diese Informationen, dann werden Sie ebenfalls wieder Gelegenheit haben, hier im Plenum Fragen zu stellen und dann anschließend wiederum Einzelinterviews wie gehabt. Ich erteile gerne das Wort. Merci, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, bonjour. Je me réjouis de vous accueillir à cette conférence de presse. Organisé à l'occasion de la publication de ce rapport sur les projets du DDPS. Vous le savez, en matière de sécurité, de politique de sécurité, ces dernières années ont été marquées par des changements très rapides, mais aussi très profonds. Les menaces sont devenues plus complexes, elles sont devenues plus imprévisibles, plus opaques, plus interdépendantes aussi. Il est de plus en plus difficile pour les spécialistes de la défense de faire des prévisions, de savoir à quels instruments de politique de sécurité il faut recourir ou comment il faut les appliquer. Et malgré cette imprévisibilité, le service de renseignement de la Confédération, l'armée, la protection de la population doivent continuer à se préparer à de possibles situations d'urgence. Et pour pouvoir être prêt demain, lors d'un coup dur, il faut décider aujourd'hui des investissements à faire à l'avenir. Et puis pour cela, il ne faut pas perdre non plus de vue l'évolution quant à la situation en matière de politique de sécurité. Et les projets sur lesquels nous travaillons au sein du département, qu'ils portent sur l'organisation, sur le matériel, doivent nous permettre de nous adapter à ces changements continus. Et des projets, le DDPS n'en manque pas, puisqu'il emmène presque 900 de front. Du simple lacet de chaussures, pour prendre une petite image, au réseau complexe des centres de calcul à l'échelle de la Confédération, c'est peut-être ce qui fait le charme de la chose, mais aussi la complexité. Pour gérer tous ces projets en même temps, satisfaire les exigences élevées qu'ils posent, le département utilise la méthode recouvre le nom de Hermès. En effet, la méthode standard de gestion de projet au sein de mon département, l'unité de pilotage informatique de la Confédération recommande cette méthode pour les projets informatiques, mais elle convient aussi parfaitement dans d'autres domaines. D'ailleurs, le contrôle fédéral des finances lui-même conseille aussi cette méthode pour les projets d'organisation. Elle nous est utile pour suivre la conduite, le pilotage, l'exécution de projets plus ou moins complexes. Et par sa mise en pratique systématique, en se concentrant sur une seule méthode, cela va nous faciliter aussi la comparaison entre les différents projets. Parmi les 900 projets qui sont initiés, la direction du département suit essentiellement ceux qui impliquent un engagement financier très important, qui s'étend sur plusieurs années, qui sont fortement liés ou interdépendants avec d'autres projets. Sans oublier naturellement que ces projets sont au centre de l'attention de la politique, du public, de différentes institutions et de vous-même, les médias. Pour décrire mieux le suivi de ces différents projets, je passe maintenant la parole à M. Bernhard Knechtenhofer, qui a la charge de les suivre. Ja, besten Dank. Von diesen 900 Projekten, von denen Bundesrat Parmelin eben gesprochen hat, gibt es 27 sogenannte Top-Projekte. Diese sogenannten Top-Projekte sind charakterisiert durch eine lange Laufzeit, durch eine politische Relevanz, durch großes finanzielles Engagement etc.
Herr Guy Parmelin lässt sich quartalsweise über den Stand und Entwicklung dieser Projekte persönlich informieren, bei Bedarf sogar auch direkt durch die einzelnen Projektaufsichten oder durch die Projektleiter. Bei den Top-Projekten, bei diesen 27, wird die Projektaufsicht auch wahrgenommen durch einen direkt Unterstellten des Chefs VBS oder ein Mitglied der jeweiligen Geschäftsleitung des Amtes X oder Y, also zum Beispiel der Armeeführung bei den Projekten der Armee. Weiter, bei diesen 27 Top-Projekten ist es so, dass ein Vertreter des Generalsekretariats auch in der Projektaufsicht Einsitz nimmt, damit die Gesamtsicht aus dem Departement dort auch entsprechend berücksichtigt ist. Über sämtliche Projekte, also alle 900, rapportieren die jeweiligen Projektleiter anhand eines sogenannten Projektstatusreports. Dieser Projektstatusreport ist eine systematische Sammlung von Informationen bezogen auf die Zielerreichung. Also der Projektleiter muss die Zielerreichung beurteilen, er muss den zeitlichen Fortschritt beurteilen und er muss selbstverständlich Finanzen und Personal beurteilen. Zum Personal komme ich noch zurück. Das ist der Engpassfaktor Nummer 1, also das genügend qualifiziertes internes Personal zu haben. Aber er macht auch eine Gesamtbeurteilung inklusive den jeweiligen Risiken. Und dieser Projektstatusreport, das ist der Nukleus des Projektcontrollings. Von allen Projekten wird ein solcher Projektstatusreport erstellt und anschließend werden diese verdichtet. Bei den 27 Top-Projekten kommt dazu, dass der jeweilige Projektaufsichtsvorsitzende noch eine eigene Beurteilung machen muss. Und das alles wird dann im Controlling VBS verdichtet für die quartalsmäßigen Informationen zuhanden des Chefs VBS. Zusätzlich zu dieser internen Steuerung und Überwachung haben wir Analysen von extern. Das ist auf der Abbildung hier ganz unten aufgeführt. Wir haben einerseits die Finanzkontrolle, die überwacht systematisch die sogenannten IKT-Schlüsselprojekte. Das sind Projekte, die auf Antrag des Informatiksteuerungsorgans des Bundes, der Bundesrat, bestimmt. Derzeit haben wir 8. Und daher diese Darstellung in der Mitte der Abbildung hier von 900 sind 27 Top-Projekte und ein Teil davon sind IKT-Schlüsselprojekte. Zusätzlich zur Finanzkontrolle, die ja an die Finanzdelegation berichtet, für diesen Teil da haben wir eine systematische Beurteilung durch eine von der Universität St. Gallen erstellte Methodik. Das war eine Lehre von Insieme. Mit Insieme gab es ja verschiedene Maßnahmen und eine davon ist, dass wir die Top-Projekte nach dieser Methode, dieser Selbstbeurteilungsmethode der Universität St. Gallen beurteilen müssen. Das ist die zweite quasi externe Beurteilung oder externe Sicht mindestens auf die einzelnen Projekte. Und nicht zuletzt sind wir Teil einer Erfahrungsgruppe, die von der Universität St. Gallen initiiert wurde. Dort treffen sich Vertreter von Großunternehmen, sei es Großbanken oder großen Versicherungen oder Industrie. Und wir teilen dort die Erfahrung im Projektmanagement. Das ist ganz wichtig, damit wir voneinander lernen. Und ich kann Ihnen versichern, wir sind nicht besser, aber auch nicht schlechter als andere Großorganisationen. Sehr oft sind die Herausforderungen durchaus vergleichbar, egal ob öffentliche Verwaltung oder eben Großprojekt in einer Versicherung oder einer Bank. Voilà déjà longtemps que les commissions politique sécurité, les commissions des finances, la délégation des finances et de gestion reçoivent la liste des projets les plus importants du DDPS. À travers ce rapport qui est présenté aujourd'hui, cela a été dit en préambule, nous souhaitons et je souhaite tout particulièrement améliorer l'information et la transparence. Il doit vous permettre, mesdames et messieurs, les professionnels des médias ainsi que les parlementaires, d'autres personnes intéressées, voire même le public, de se faire une meilleure information sur les projets les plus importants du DDPS, de le faire de manière approfondie, de manière régulière, de manière accessible. L'idée de ce rapport, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir publier un tel rapport? Elle date d'une année environ. Elle nous a été inspirée notamment par le ministère allemand de la Défense qui publie un rapport sur les questions d'armement depuis le printemps 2015. La Grande-Bretagne et la Norvège diffusent également des publications de ce même type. Les résultats de l'enquête administrative sur la suspension du projet de défense Sol-Air
2020 Bodeloof nous ont aussi confortés dans notre idée. D'ailleurs, le responsable de l'enquête, M. Kurt Grütter, si vous vous souvenez, nous a recommandé d'améliorer la communication en fournissant des informations régulières au sujet des objets les plus importants. Nous avions déjà eu la réflexion avant la publication du rapport Grütter. Mais ce premier rapport sur les projets décrits, donc les projets principaux du département au 31 décembre 2016, qu'ils soient en cours ou qu'ils aient pris fin pendant cette même année, amène une bonne description de l'état des lieux. Cela a été dit, il y a 27 projets qui ont en commun un très important engagement financier, une durée de plusieurs années, une grande complexité et aussi un haut degré d'interdépendance. Alors, vous le verrez en parcourant ce rapport, il y a des thèmes au nombre de trois, l'armement, naturellement, la conduite et l'exploration, ainsi que l'organisation. En ce qui concerne l'armement, il s'agit par exemple du nouvel avion de combat ou des systèmes de défense. Pour ce qui est de la conduite et de l'exploration, on peut citer le réseau Radio Polycom et le système de drones de reconnaissance 15. Quant à l'organisation, elle comprend des projets comme le développement futur de l'armée, le DEVA, le système de gestion de sécurité de l'information ou le Content Management System du département. Au-delà des thématiques proprement dites, les projets sont très souvent imbriqués, intriqués même entre eux. Par exemple, sans système de conduite au niveau militaire et d'exploration qui sont opérationnels, ben vous n'avez pas d'armement. Après ce premier rapport sur les projets, des rapports annuels permettront de suivre l'avancement des projets les plus importants du département. Je vais vous présenter encore rapidement la structure de ce rapport. Il y a deux parties principales. La partie qui est consacrée à la planification et à la conduite des projets. Cette partie décrit les défis qui attendent notre armée ces 15 prochaines années, avec un besoin d'équipement, un besoin de renouvellement particulièrement élevé. Elle présente le plan général de l'armée, c'est-à-dire l'instrument finalement central de planification à moyen terme. Le sous-chapitre portant sur la planification des acquisitions de matériel d'armement décrit en 6 étapes le processus d'acquisition. Le contenu du message sur l'armée proprement dit est aussi explicité, de même que le processus de surveillance et de gestion des projets. Et cette partie se termine en montrant comment la protection de la population et la protection civile doivent, elles aussi, s'adapter et se développer en permanence à travers des projets. Quant à la partie qui retrace les projets actuels au sein du DDPS, elle présente un à un ces 27 projets les plus importants et leur avancement sur une double page. La page de gauche, vous avez un résumé, et la page de droite vous donne, illustre en fait l'état du projet au 31 décembre 2016. Vous avez la durée du projet qui est indiquée, la qualité, les finances, le personnel, les délais. Tous ces points font l'objet d'une courte appréciation. Et vous avez aussi quelques indications sur le coût et les risques tels que nous les analysons. Maintenant, je repasse la parole à M. Knechtenhofer, puisqu'on a sorti un des exemples parmi ce dossier pour vous le commenter plus précisément. Ja, hier sehen Sie auf der Abbildung Seite 22 und 23 eben eine solche Doppelseite von einem spezifischen Projekt. Wir haben das Projekt Führungsnetz Schweiz ausgewählt, einfach so, um ein Beispiel zu machen. Auf der linken Seite, wie das Herr Guy Parmer ausführte, sind allgemeine Erklärungen enthalten, um was es beim Projekt überhaupt geht, welchen Nutzen es stiftet. Eben beim Führungsnetz Schweiz geht es darum, ein krisenresistentes Telekommunikationsnetz auch für den Sicherheitsverbund Schweiz zu erstellen. Also nicht nur die Armee kann das nutzen, auch Bevölkerungsschutz nutzt dieses Netz. Auf der rechten Seite sind dann spezifische Informationen. Also die linke Seite ist eher statisch, das bleibt so, der Nutzen des Projektes. Und auf der rechten Seite, spätestens dann, wenn wir den zweiten Projektbericht präsentieren werden, werden Sie die Veränderungen feststellen. Also auf der rechten Seite sind die dynamischen Elemente dieses Projektberichtes, dieses Projektes konkret.
Zuerst, ganz rechts oben, sehen Sie die Projektdauer. Und hier fällt selbstverständlich auf, das Projekt wurde 2005 gestartet und wird 2024 abgeschlossen. Also eine unglaublich lange Projektdauer. Warum ist das so? Man hat begonnen mit dem Kern dieses Netzes, der ist längstens in Betrieb, aber der Ausbau, der ein oder andere Ausbau, der läuft immer noch, der läuft eben auch bis 2024. Es geht darum, dass auch, es ist ein IT-System am Schluss, dieses Führungsnetz, da werden alle 5 bis 6 Jahre wieder Teile zu ersetzen sein. Also wir haben schon die ersten Teile ersetzen müssen, als wir begonnen haben im 2005. Darum gibt es auch verschiedene Phasen und das wird auch weitergehen. Das Projekt wird zwar abgeschlossen sein, 2024, aber auch dann wird es Erneuerungsbedarf geben danach. Im zweiten Kasten sehen Sie, wie das Projekt konkret per 31. Dezember 2016, was der Stand damals war. Auf diesen Stichtag legen wir Wert, denn es ist eine dynamische Geschichte. Ab und zu verändert sich das eine oder andere, ganz sicher verändert sich zum Beispiel die Ausgaben oder andere Teile verändern sich. Also wenn wir hier jetzt über dieses Projekt sprechen, an diesem Beispiel ist der Stand 31.12.16 ganz, ganz wichtig. Sie sehen, die Qualität und die Finanzen wurden als plangemäß beurteilt. Die Kriterien Personal und Zeit als knapp. Das ist das, was ich schon vorhin erwähnte. Personal ist unser Sorgenkind Nummer 1. Weil wir aber davon ausgehen, dass die Personal- und Zeitengpässe projektintern geregelt werden können, ist das Projekt aus unserer Sicht insgesamt auf Kurs. Aber es sind projektinterne Maßnahmen notwendig, um das Personal und dann auch, das hat dann Auswirkungen auf die Zeit, entsprechend zu priorisieren. Der dritte Kasten zeigt, dass im Projektauftrag für das Führungsnetz Schweiz finanzwirksame Investitionen von insgesamt 939 Millionen geplant sind. Jetzt diese Zahl ist eine Planzahl über 19 Jahre. Es ist nicht so, dass wir in 2005 die gesamten 939 Millionen schon erhielten. Nein, wir müssen jährlich ganz normal im ordentlichen Budgetprozess die jeweilige Tranche vom Parlament bewilligen lassen. Also wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft diese Tranchen erhalten und daher die Planzahl von 939 Millionen, die ist nach wie vor aus heutiger Sicht stimmig. Sie sehen aber auch unter den Bemerkungen, es gibt vielleicht noch zusätzliche Immobilienaufträge. Also wenn wir zum Beispiel bei diesem Führungsnetz eine höhere Durchhaltefähigkeit oder eine längere Durchhaltefähigkeit machen müssten als heute, dann kostet das etwas. Wenn wir mehr Netzknoten anschließen müssen, dann kostet das etwas. Also mit anderen Worten, wir können heute sagen, die 939 Millionen und die Projektdauer, die ist der Stand der heutigen Planung. Aber vielleicht in 2, 3 Jahren sieht das etwas anders aus. Bis dato, bis zum 31.12. letzten Jahres, wurden 348 Millionen konkret ausgegeben. Das ist also Cash-out per Ende letzten Jahres. Im untersten Kasten sind dann jeweils Risiken und die entsprechenden Maßnahmen aufgeführt. Wir führen ja die Projekte nach Hermes durch, also mit Initialisierung, Konzeption, Realisierung. Das sind die ersten Phasen und diese Risiken, die da aufgeführt sind, bis zum Hermes Meilenstein 40 sind die in dieser ersten Zeile enthalten. Dann, wie geht es bei der Einführung? Das ist die zweite Zeile. Und die dritte Zeile ist, was ist das während der Nutzung? Was sind die Risiken während der Nutzung? Und bei diesem Führungsnetz, aber auch bei ganz vielen anderen Projekten, ist es so, die Projektlaufzeit ist das eine, aber die Nutzungsdauer ist dann das andere. Sehr häufig nutzen wir Systeme während Jahrzehnten. Gerade im Umfeld der Armee, also die Projektlaufzeit ist dann über einen Lebensweg gesehen, dann doch nur eine kurze Zeit. Sie sehen da zum Beispiel beim Führungsnetz Schweiz die Projektabwicklung, das hat das Risiko der zeitlichen Verzögerung, das habe ich erwähnt, das hängt zusammen mit dem Personal. Wenn wir das Personal nicht entsprechend dort fokussieren können, wegen anderen Prioritäten, dann hat das eine Auswirkung auf die Zeit. Und was ist unsere interne Maßnahme? Das ist einfach die entsprechende Priorisierung der Personen. Wir machen das in einer harmonisierten Ressourcenplanung zwischen Armee und Armaswiss insbesondere, aber auch bei den anderen Playern, die dort bei meinem oder anderen Projekt involviert sind, wirklich sukzessive, bis auf die einzelne Person. Sonst kriegen wir die Projekte nicht so, wie wir das auch geplant haben und auch benötigen. Das ist das Beispiel vom Führungsnetz. Voilà,
Mesdames et messieurs, vous le voyez, la plupart des projets qui figurent dans ce petit livre sont les plus importants du DDPS. On peut dire qu'ils sont sur la bonne voie, mais on peut dire aussi, et peut-être même surtout, qu'ils requièrent une attention toute particulière et régulière, parce qu'ils requièrent d'investir des ressources considérables, parfois, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan du personnel. Et quand on parle du personnel, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la capacité et les compétences de ce personnel. Et un tel investissement ne va naturellement pas sans risque. Il est, comme dans toute entreprise, impossible de garantir que tout se déroule comme prévu pour l'ensemble des projets. La seule chose qu'on peut garantir et que je peux garantir, c'est l'importance et la priorité que j'accorde à tous ces projets. Et je peux aussi confirmer ma volonté de continuer à informer le plus possible, de manière claire, transparente et finalement quelque part honnête, sur l'état et le déroulement de ces projets. Voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule. Et naturellement, nous sommes à disposition maintenant pour des questions plus précises, générales ou de détail. Danke. Dann erteile ich Ihnen das Wort für Fragen zu stellen. Ja, bitte. Donc, en parcourant un peu le rapport, on voit que la question du personnel est souvent soulevée dans les risques. On se trouve dans une phase où il y a pas mal de pression sur le personnel, notamment au Parlement. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution pour s'en sortir de l'ornière ? Que le Parlement nous donne des postes supplémentaires. Non, plaisanterie, mis à part, je crois que M. Knechtenhofer l'a bien dit, pour le décrire encore plus précisément, nous devons être très attentifs au niveau des projets. Nous devrons peut-être et même certainement faire des priorités dans les... Vous avez vu qu'il y a 900 projets qui ont été initialisés. Je dois dire que ça m'a un peu effrayé quand j'ai pris connaissance de tout ça. Il faut à tout prix éviter, par exemple, qu'un projet X ne démarre sans que cet aspect du personnel, des compétences, encore avant même le financement, sans qu'on soit, on puisse dire oui, ça va jouer, ou alors si en cours de route on devait avoir un problème, qu'on puisse le suspendre momentanément sans que le projet en lui-même en soit perturbé. Vous avez vu aussi qu'il y a des interdépendances entre des projets et notre gros souci, je dirais notre souci principal, c'est de garder la vision d'ensemble et d'éviter qu'un projet qui rencontre un obstacle et qu'on devrait suspendre, si on devait arriver à le suspendre pour lui-même, ça ait une réaction en chaîne sur les autres. C'est ce qui serait le plus désastreux. C'est pour ça que M. Knechtenhofer a parlé de l'harmonisation, la planification d'harmonisation des ressources. Nous devons y porter une attention toute particulière. C'est vrai, vous voyez, à plusieurs endroits, c'est noté dans le projet au niveau du personnel restreint. Peut-être, si vous souhaitez compléter, sur un projet précis. Moi, je pense que le projet qui vous a été présenté, c'est vraiment le projet d'école où il faut faire extrêmement attention de ne pas être bloqué parce qu'on aurait des réactions en cascade. Sind genau diese Punkte, oder auf der Folie 4 haben wir die Abhängigkeiten angesprochen und das Führungsnetz ist eben eines dieser Kernprojekte. Das Führungsnetz, ohne das kann ein Effektor, ein Boden-Luft-Verteidigungssystem seine Wirkung gar nicht entfalten. Daher die Abhängigkeiten, das ist eine ganz, ganz wichtige ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wir müssen zuerst die Projekte alimentieren, die quasi die Grundlage geben für andere Projekte. Und eben ohne Führungsnetz, ohne Rechenzentrum zum Beispiel, dann geht ganz vieles auch nicht. Wir brauchen das, um zu führen, um die einzelnen eben Boden-Luft-Verteidigung und andere überhaupt zur Wirkung zu bringen. Also die Abhängigkeiten, das ist das eine. Das andere ist, es ist nicht ein generelles Personalproblem für alle Kategorien. Wir leiden insbesondere bei der Führungsunterstützungsbasis und der IT-Leuten, da haben wir zu wenig. Und dort zum Beispiel die Business-Architekten oder in der Armassist leiden wir unter Mangel an gewissen Ingenieuren. Und das ist eigentlich das Problem, wie erwähnt, ich formuliere es vorhin, die genügenden Leute in der richtigen Qualität zu haben. Also es ist eine nicht nur eine quantitative, es ist insbesondere auch eine qualitative Frage. Und daher planen wir zum Beispiel bei den IT-Architekten auf die einzelne Person herunter für die verschiedenen Projekte, weil es sind eben die, die uns fehlen und man
es wäre vermessen zu sagen, es fehlt an allen Ecken und Enden. Selbstverständlich hätten wir immer gerne mehr. Aber es fehlt, das zeigen die Projekte in der FUB und in der Armasis, an qualifiziertem Personal für bestimmte Projekte. Ja. Ich habe eine Frage zur WEA. Sie beurteilen dieses Projekt per Ende 2016, beurteilen Sie die Qualität als knapp. Können Sie das vielleicht kurz erläutern, was damit gemeint ist? Und andererseits, haben Sie seit Jahresbeginn konkrete Schritte unternommen, um die Qualität der WEA, die ja eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, zu verbessern? Oui, pour, concernant le VEA, si, c'est le VEA, hein, j'ai bien compris, DEVA, oui. Nous, vous l'avez dit, le projet va commencer à être mis en œuvre en 1er janvier 2018. Maintenant, on est dans la phase de transitoire où vous avez les deux systèmes qui se superposent actuellement et nous allons basculer le 1er janvier. Pourquoi est-ce qu'on apparaît sous l'aspect personnel restreint et sous l'aspect qualité restreint ou limité. C'est parce que nous avons encore certaines inconnues. Je rappelle qu'on doit encore rien que sur le plan des ordonnances, il y a 70 ordonnances à réviser et à placer pendant cette année. Il y a tout l'organigramme du DEVA qui doit être avalisé, il est en passe de l'être. Les gens doivent passer de l'ancien système au nouveau système. Nous avons certaines inconnues. Mais au fur et à mesure que nous avancerons dans ce projet, avec les chefs de projet qui actuellement travaillent pour être prêts, nous pourrons, de mon point de vue, et nous devrons, de mon point de vue, arriver à l'aspect plus sûr. Naturellement, pourquoi aussi restreint au niveau du personnel ? Si tout à coup, les décisions budgétaires ces prochaines années, mais là, le Parlement et les commissions sont informées. Si on devait nous restreindre le personnel dans la phase, précisément maintenant où on en a le plus besoin, là, ça pourrait avoir clairement des conséquences sur la mise en œuvre et la réussite du projet. À terme, quand le DEVA sera terminé, on aura une diminution assez marquée de postes de travail. Ça explique les deux estimations ou appréciations qui sont fournies. Mais encore une fois, comme vous l'avez compris, ça va évoluer en fonction de l'avancement des projets. Une ergänzung nötig? Nein. Gut. Danke. Oui, j'ai une question sur le projet Polycom 2030. Alors, on dit que la technologie actuelle ne peut plus être mise à jour. Alors, la première question, est-ce que ça pourrait être problématique pour les communications entre police, garde frontière et armée dans les prochaines années? Et la deuxième question, vu qu'on parle d'un coût de 175 millions, combien ça pourrait coûter au canton? Vous pouvez me redonner juste la page du Polycom. 56. Oui. Also zum ersten technischen Teil kann ich Auskunft geben. Es ist so, Polycom wird eingesetzt bei der Grenzwache und bei den einzelnen Kantonen für die Blaulichtorganisation, wie auch beim Bund, die Armee oder der Bevölkerungsschutz braucht dieses System. Also Kantone, wie auch mehrere Stellen im Bund brauchen dieses System. Es ist so, wir brauchen eine neue Technologie über IP. Die alte Technologie wird nur noch bis 2025, wir sind in Verhandlungen mit den Produzenten, dass es das ein oder andere Jahr noch länger geht, aber die heutige Technologie wird, sagen wir mal, noch bis 25 ganz sicher gewartet. Danach wird es immer unwahrscheinlicher. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Geländekammer nach 2025 vorbereiten. Das heißt, mit allen Kantonen, mit all den Stationen an der Grenze etc. Also mit diesem Verbund zwischen all den Kantonen und den verschiedenen Verwaltungseinheiten im Bund müssen wir diese nächste Geländekammer erreichen. Und selbstverständlich müssen wir uns technisch so vorbereiten, dass die alten Systeme mit den neuen im Übergang, also ein sogenannter Gateway, der erstellt wird, funktioniert, dass die alte Generation mit der neuen Generation sprechen kann. Das ist sichergestellt. Ich bin da guten Mutes, dass wir das hinkriegen. Die ersten Tests verliefen auf jeden Fall erfolgreich. Die Herausforderung in diesem Projekt ist nicht eigentlich eine technische aus meiner Sicht, sondern vielmehr die verschiedenen Player auf verschiedenen Levels, also Kantone mit den verschiedenen Verwaltungseinheiten des Bundes an den Tisch zu bringen. Das ist eine Herausforderung in der Koordination der verschiedenen Interessen.
Pour peut-être juste compléter sur cet aspect politique, c'est un projet, si vous aviez suivi les débats au Parlement, où les commissions sont extrêmement attentives pour que ça réussisse. Si vous reprenez l'origine de Polycom, il s'est allé sur 15 années entre l'installation des premières antennes dans les premiers cantons, et c'est en 2015, de mémoire, que le canton de Zoug, dernier canton, est arrivé, alors que d'autres devaient être déjà renouvelés. Est-ce que M. Knertenhofer vous a dit, le risque, c'est qu'on prolonge on a les aspects techniques, technologiques, jusqu'en 2025, mais il faut qu'on puisse passer les nouveautés, que ça fonctionne avec les anciennes, et en parallèle, nous réfléchissons déjà avec les cantons pour la suite, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, et on doit essayer de trouver un minimum dénominateur de commun, de façon à ce qu'on ne répète pas l'historique de Polycom. Ça, c'est un peu les joies du fédéralisme, je dirais. Mais à la fin, le problème, c'est quand il faut que tout fonctionne, corps des gardes-frontières, canton qui s'installait à tel moment et l'autre, alors après, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est la discussion que nous avons eue avec les cantons. C'est un projet qui doit être suivi sur le plan, je pense, technique, technologique. Ça va fonctionner, à moins qu'il y ait un problème qui n'est pas vu aujourd'hui. Sur le plan politique, il faudra vraiment qu'on arrive avec les cantons à bien suivre cette mise en œuvre pour passer après à l'étape suivante. C'est ce qui m'occupe régulièrement avec la RKMZF et puis la KKJPD quand je les rencontre avec ces deux conférences. Sur le plan des finances, sur le plan financier, avec les cantons, on n'a pas encore parlé alors des coûts qui devraient être soutenus par les cantons. Alors, le projet est adopté par les chambres, donc. Les crédits ont été votés au niveau des chambres. Tout s'est fait en parfaite relation avec les cantons. Ce qui serait dommageable, par exemple, c'est qu'un canton ne soit pas prêt à un moment donné. C'est pour ça que nous avons régulièrement ces rencontres avec les cantons. C'est le risque essentiel, je pense, dans ce projet actuellement. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es ein bestimmtes Kriterium gibt, nachdem Sie die Reihenfolge dieser Liste gewählt haben. Das ist zufällig. Völlig zufällig. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Kosten mit den Kantonen. Oder bei Polycom Werterhalt haben wir uns mit den Kantonen geeinigt. Jeder Partner weiß, was zu investieren ist. Bei uns die Grenzwache oder das BAPS, das wissen wir. Also dieser Teil, da konnten wir uns einigen und das ist erledigt. Die spannende Frage ist vielmehr, es gibt ja noch mehr Pläne. Also die nächsten Projekte, wie zum Beispiel das sichere Datenverbundnetz oder, das gibt da eine Auslegeordnung vom BAPS. Die Frage stellt sich jetzt, ja, wie gehen wir in Zukunft um? Behalten wir den Verteilschlüssel wie heute oder nehmen wir einen anderen? Und da sind jetzt gerade die Diskussionen sehr intensiv. Wir wollen das geregelt haben, zusammen mit der BZG-Revision. Also wenn wir mit der Gesetzesrevision dann kommen im Verlauf des Zeiten der Jahreshälfte, dann muss das auch geregelt sein, denn das ist einer der Schlüssel für andere Projekte. Herr Lent? Herr Bundesrat, ich habe eine Frage zu einer Bemerkung in der Medienmitteilung. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Sie schreiben da, vor Mitte der 20er Jahre soll die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge beantragt werden. Vor Mitte der 20er Jahre, ist das ein neuer Termin? Hat es da eine Verschiebung gegeben? Weil ich hatte in Erinnerung, dass man 2022 eigentlich eine erste Tranche beschaffen wollte. Und Mitte der 20er Jahre tönt jetzt eher nach 24, 25. Alors, vous le savez, d'ici fin du mois de mai, tout début juin, le groupe d'experts et le groupe d'accompagnement vont livrer leur rapport sur le sujet du Neukampfflugzeug et du futur du Bodeluf, la dritte dimension, tout ensemble. Ensuite, il y aura naturellement les discussions au Conseil fédéral, etc., toute la procédure habituelle pour initier le processus d'achat, d'acquisition, avec toute la phase évaluation. Il y a beaucoup d'inconnus. Je peux pas aller dans les détails en attendant le rapport d'experts. Est-ce qu'on va faire une évaluation comme les dernières fois, une autre évaluation? Ça dépend de ce qui va être retenu au niveau des rapports d'experts. Là, on donne une indication par rapport au calendrier qu'on souhaite, puisque ensuite, vous aurez l'aspect comment ce qu'on appelle Rüstungsprogramme. Il faudra intégrer ceci dans la planification financière.
Mais à vue humaine, aujourd'hui, le calendrier qui était prévu, le cas échéant qui avait été donné à titre indicatif, livraison milieu à partir des années 2025, il reste. Mais je ne peux pas préjuger si certaines variantes sont proposées et intéressantes, proposées par le groupe d'experts ou le groupe d'accompagnement. Je ne peux pas préjuger que ce calendrier va être fixe, il peut évoluer un petit peu dans le temps. Vous le savez, actuellement, le Parlement discute de la prolongation d'utilisation des FA 18 pour de 2025 jusqu'à 2030, pour nous donner une certaine marge de manœuvre aussi. Noch eine kurze Nachfrage. Wenn man jetzt diesen Projektbericht durchschaut, dann sind bei allen 27 Projekten Stand 31.12. die Finanzen entweder plangemäß oder knapp. Heißt das jetzt, es gibt bei keinem dieser 27 Projekte am 31.12.2016 Kostenüberschreitungen? Das ist so. Also wir sind gemäß Plan unterwegs. Und für diese Top-Projekte stimmt der Plan aus heutiger Sicht noch. Ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen für alle Zukunft, aber wir sind finanziell optimistisch, dass das auch so geschieht bei 31.12.16. Das ist korrekt. Könnte dann interessant sein in einem Jahr, wenn wir wieder hier sitzen und Sie vergleichen können, was steht auf dieser rechten Seite, was hat sich verändert, vielleicht steht dann plötzlich ungenügend. Das würden wir selbstverständlich auch ausweisen, wenn es dann mal so ist. Und es könnte dann ein Jahr später sein, dass es dann wieder genügend ist, nicht mehr knapp, oder je nachdem. Und wir sind uns bewusst, dass das durchaus eben dann eine Evolution drin gibt in diesem ganzen Bericht. Ce qu'il faut voir peut-être, le suivi des projets déjà de l'année 2016, dans certains cas, certains projets sont revenus parce qu'il y avait des incertitudes. Six mois après, on a pu recadrer et remettre les projets dans le trend qui était voulu. C'est ça qui est intéressant avec le suivi, c'est de pouvoir détecter assez tôt si on va avoir un problème qui est imprévu. Vous pouvez avoir un fournisseur d'objets qui tout à coup a des problèmes à assurer la fourniture de certaines pièces ou de certains softwares. Il faut tout de suite pouvoir apprécier qu'est-ce que ça a comme implication? Si ça retarde tout de six mois, quelle est l'implication éventuelle sur un autre projet? C'est ça qu'il faut vraiment regarder de très près. Weitere Fragen noch? Dann würden wir abschließen, Eva. Ganz kurz, wechseln nicht nur die Kosten, sondern auch die Bezeichnungen der Projekte. Und ich habe jetzt auf dieser Liste das Projekt NEO vermisst. Sie wissen, von welchem Vernetzung der operativen Führungssysteme, so irgendwie ist das. Und da wurde vor ein paar Jahren von der Finanzkontrolle darauf hingewiesen, dass das mehrere Milliarden kosten werde bis Anfang nächsten Jahres. Und ich finde das einfach nirgends. Heißt das anders? Ist das aufgeteilt in die anderen bestehenden Projekte? Wie sieht das aus? NEO war eine Bezeichnung für eine ganze Familie von Projekten. Damals bei Jakob Baumann hat diesen Ausdruck geprägt. Eben vernetzte Operationsführung war die Idee dahinter. Was ist geblieben in diesem Projektbericht? Das ist das ganze Projekt oder Programm Titania mit den drei Projekten Rechenzentrum, Führungsnetz und Telekommunikation der Armee. Aber mit NEO wollte man noch viel, viel mehr. Und wir zügelten den Appetit und der Kern von NEO, wenn Sie wollen, für den Anteil Führung, ist eben Rechenzentrum, Führungsnetz und Telekommunikation der Armee. Das ist der direkteste Link dazu. Ja. Letzte Frage. Ja. Par rapport au personnel manquant de l'armée, je n'ai pas bien compris combien de postes il manquerait pour que vous ayez des effectifs suffisants. Ou en termes de qualité des postes, est-ce que vous songez peut-être à réexaminer les fonctions pour avoir une conversion vers des profils plus techniques au sein du DDPS? On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer le nombre de postes qui nous manquent exactement. Je crois que Bernard Nertenhofer l'a bien montré. Dans certaines catégories, on doit faire extrêmement attention parce qu'il y a des postes hautement spécialisés. Il a parlé de l'architecture informatique des projets. Vous suivez de près ou de loin toute la problématique cyber. C'est dans ce genre de projets ou de problématiques
Nous sommes en forte concurrence avec le privé, avec énormément de monde pour avoir les meilleurs spécialistes. Et c'est cet aspect-là qui doit nous rendre attentifs. Mais on ne peut pas dire que sur tel projet, il manque 3 ou il manque 5 postes. On essaye de gérer ceci. Et puis le cas échéant, il peut provisoirement, on peut provisoirement ou on souhaite provisoirement avec cette harmonisation des ressources pouvoir déplacer certains postes pour appuyer peut-être momentanément un projet X qui serait dans une phase difficile. Mais là, c'est clair que ça serait beaucoup plus simple si d'une part les compétences se trouvaient facilement sur le marché et puis d'autre part si les budgets étaient là. Ok, jetzt die allerletzte Frage, dann ist fertig. Merci. Mardi, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a décidé de rétablir partiellement la capacité des avions d'attaquer, de mener des attaques au sol. Si j'ai bien compris, le Conseil fédéral ne voulait pas ça. Je me demande quel a été votre rôle dans cette décision de la Commission. Mon rôle a été simple, c'est de défendre la position du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a fait la réflexion suivante. On avait la Erdkampffähigkeit dans le projet, le message que j'ai soumis au début au Conseil fédéral. Et le Conseil fédéral a dit, on traitera de ceci au moment où on aura le rapport d'experts, les recommandations du groupe d'accompagnement avec le nouvel avion de combat sur la table. Et on pourra à ce moment-là juger, est-ce que c'est une nécessité, oui ou non. Et dans l'état actuel, dans le cadre de la prolongation d'utilisation des FA-18, le Conseil fédéral a jugé que c'était prématuré d'inscrire cette Erdkampffähigkeit. L'autre jour, ce qui s'est passé, la Commission avait demandé des renseignements complémentaires sur ce que représentait cette capacité limitée d'attaque au sol. Les renseignements lui ont été donnés. Eux font le raisonnement inverse en disant qu'il faut mettre cet aspect maintenant pour gagner du temps ultérieurement. Si on veut, la majorité de la Commission, parce que c'était très, très serré, fait le pari déjà maintenant qu'en mettant dans le projet cette Erdkampffähigkeit, on gagnera du temps plus tard, au moment où il y aura un nouvel avion de combat, mais ce faisant, il parie sur le fait que le Conseil fédéral ou une majorité à ce moment-là voudra de cette Erdkampffähigkeit. Et si par hypothèse ce n'était pas le cas, on aurait alors clairement mis 20 millions de francs par la fenêtre. Le Conseil fédéral veut discuter de ceci uniquement au moment où tous les éléments d'un nouvel avion de combat seront sur la table. Et moi, j'ai défendu cette position. Mais vous êtes content de cette décision de la Commission ? Je ne vais pas me prononcer sur la décision de la Commission, je défends la position du Conseil fédéral. Voilà, sehr gut. Also, jetzt haben wir, glaube ich, alle Fragen beantwortet für den Moment hier im Plenum. Bundesrat Barmein steht für Fragen zur Verfügung, technische Fragen, Hintergrundinformationen gibt auch Bernhard Knechtenhofen weiter. Voilà.